Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia 2 Strongest Hero. Nouvelle importante concernant le jeu et concernant le remboursement. Du coup, je vous traduis ça rapidement. Vu que l'événement Endeavor est terminé concernant son portail, l'équipe de développement est en train de calculer tous les tickets utilisés sur ce portail, sur cet événement, que ce soit le portail du personnage ou encore ses cartes actives et passives. Tous les joueurs, bien sûr, qui ont utilisé ces tickets sur cet événement seront remboursés en une seule fois l'équivalent de tous leurs tickets utilisés dans ce portail et seront distribués le 3 juillet. Et au cas où si on ne reçoit pas ces tickets-là après cette date, il nous propose de contacter le, enfin il nous recommande de contacter le support in-game. Bon, on sait, nous tous, vous et moi, que le service in-game n'est pas incroyable. Du coup, voilà. Si après cette date, on ne reçoit pas grand-chose, si on ne reçoit rien du tout, ou qu'on ne reçoit pas la totalité de nos tickets mis sur le portail, sur le portail de cartes passives et sur le portail du personnage, faudra les contacter. N'oubliez pas que concernant le portail de Aizawa, vous n'avez pas besoin de pull entièrement sur le personnage. C'est une bonne unité, mais Stain est plus intéressant que ce personnage. Il faudra bien sûr stack, enfin faudra économiser vos ressources et également vos crédits pour pouvoir l'améliorer quand il arrivera. Que ce soit pour l'arbre de talent ou encore ses skills, ses sorts, etc. etc. Ses équipements également, ses chips. N'oublie pas qu'il faut un maximum de ressources pour améliorer. Enfin, énormément de ressources pour améliorer les chips qui en demandent énormément. Pour ce, c'était tout ce que je voulais vous dire. Prenez bien soin de vous. Ciao et à la prochaine. N'oublie pas le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Ciao tout le monde.